the instant city would descend upon Imaginez qu'Instant City descende sur votre ville. C'est assez mystérieux. Quelques camions passent, se dirigent vers les limites de la ville, et tout d'un coup surgit tout un univers merveilleux de gadgets, d'expériences et de machines. À l'époque du groupe Archigram, nous étions 6, Heron, Chalk, moi, Webb, Green et Crampton. On inventait un tas d'éléments d'architecture qu'on appelait des robots. Je ne sais pas s'il s'agissait vraiment de robots. Il y a quelques-uns qui sautillent là un peu partout. Je crois que pour nous, il n'y avait pas vraiment de différence entre un gadget, un robot, une structure et un élément d'architecture. Le robot était un peu l'apothéose de ce qu'aurait pu être un environnement interactif. Si on faisait quelque chose, il réagissait. Bien évidemment, les robots prennent des formes vaguement humaines. Dans une autre version d'Instant City, avec le dirigeable, on entend d'abord un léger bruit dans le ciel, puis on se réveille le matin, on regarde par la fenêtre et tout est descendu. Le dirigeable est en fait un engin de transport avec un dispositif de suspension auquel on peut accrocher de nombreuses tentes. Je me souviens, quand j'ai fait ces dessins, avoir été très inspiré par les photos de Woodstock qui avaient eu lieu peu de temps avant. On collait des lumières dans le ciel, on installait plein de camions, des projecteurs, etc. Notre projet est meilleur, à mon avis. Mais en réalité, c'était quasiment la même chose. À la période où ces dessins ont été faits, on sortait tous les jours avec Rogers et Isozaki à Los Angeles et on regardait plein de choses drôles, pas seulement de la grande architecture, mais tous ces trucs marrants comme les panneaux publicitaires et plein d'autres trucs. C'est peut-être ce qu'on retrouve là dans ces dessins, l'influence de cette architecture googie et celle du mouvement pop anglais. Je pense que l'idée, c'était qu'on pouvait construire un espace simplement avec des techniques audiovisuelles. On pouvait inventer un lieu un peu comme celui dans lequel je suis maintenant, que l'on pourrait lire en quelque sorte. L'idée était de créer ainsi un univers totalement mystérieux et mythique en pleine campagne ou en pleine rue. I like things fairly busy. J'aime bien cette agitation. C'est exactement ce que j'aime.